bonjour et bienvenue sur Reportage TV, la chaîne Savoir et de la Découverte. Aujourd'hui pour ce nouveau reportage, je suis à 1h de Paris et plus précisément en Seine-et-Marne, à Luminy-Nelormeau, au parc des Félins. Mais étrangement, aujourd'hui, on ne va pas s'intéresser à des félins, mais à des lémuriens. Et plus précisément, deux petites sous-espèces issues de l'île de Madagascar, au sud-est de l'Afrique. Ce sont des animaux qui sont isolés, car ne savant pas nager, ils sont cantonnés à l'île de Madagascar, qui n'est pas rattachée au continent africain. Alors aujourd'hui, nous n'irons pas les voir sur leur île perdue dans l'océan Indien, mais bien en Seine-et-Marne, au parc des félins, en liberté, sur un espace qui leur est dédié, l'île des lémuriens. S'ils ont un museau allongé, les yeux sur le côté et la truffe toute humide, c'est forcément un lémurien. Leur queue sert uniquement de balancier et du coup c'est pour leur équilibre. Autre petite différence, c'est au niveau des oreilles. Donc que ce soit nous ou les singes, nous nous tournons vers la direction du bruit dès que nous écoutons, tandis que nos amis lémuriens vont tourner individuellement les oreilles, tout simplement pour écouter. On dit que c'est un signe primitif. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a une grande diversité de couleurs, de formes et de tailles chez les lémuriens. Ici nous avons une cinquantaine de lémuriens de 6 espèces différentes. Ils sont là pour la reproduction, pour peut-être un jour les réintroduire dans leur milieu naturel. Sauf que le milieu naturel est très abîmé par l'homme. Trois grandes causes de danger dans la nature pour les lémuriens. Alors, le braconnage, et en parlant des makikata, malheureusement, ce sont des espèces qui sont maintenant dites des nouveaux animaux de compagnie, donc des nacs. Du coup, on va les capturer dans la nature, on va les mettre dans les hôtels pour attirer le public. Et du coup, ils vont être touchés non-stop toute la journée. Et au lieu de vivre une vingtaine d'années en parc zoologique, donc en captivité, du coup, ils vont vivre quelques années, ils vont dépérir très rapidement, malheureusement. Et même les particuliers en Ile-de-France, par exemple, il y en a beaucoup qui ont plus en plus des makikata chez eux, mais il faut savoir qu'ils vivent en communauté, donc en société matriarcale, donc de 20 à 30 individus gérés par les femelles, et dès qu'ils sont tout seuls, ils n'ont plus les codes sociaux de leur espèce, et du coup ils dépérissent très rapidement la déforestation. Donc dans ce genre de pays en voie de développement comme Madagascar, en fait on va faire ce qu'on appelle la culture sur brûlis, c'est-à-dire que vous avez un pan de forêt tropicale, on va la brûler, la cendre va fertiliser le sol, on va mettre de la monoculture telle que du soja, du café ou du cacao par exemple, que nous-mêmes, pays occidentaux, nous allons consommer. En 30 ans, on a perdu 90% de la forêt tropicale à Madagascar. Du coup, la pollution. Donc dans les pays riches comme le nôtre, on va trier les papiers, c'est pas pour autant qu'on va pas avoir de déchets dans la nature et dans dans nos rues. Mais à Madagascar, il n'y a pas du tout de tri de poubelles, c'est directement mis à même au niveau des trottoirs ou aux abords des forêts. Il y a moins de forêts, il y a moins de nourriture pour les animaux. Du coup, ils vont fouiller dans les poubelles et ils vont s'empoisonner avec notre nourriture, malheureusement. Ça, ce sont trois grandes causes de disparition des lémuriens, mais pas que. Toutes les espèces animales, généralement, sont impactées par le braconnage, la déforestation et la pollution, que ce soit dans la mer ou sur terre. Par exemple, les baréboux, il n'en reste plus que 500 dans la nature, ou les makikata, il n'en reste plus que 2000. Cette espèce, que l'on appelle les varirous, pèse entre 3 et 5 kg. Elle vit dans ce qu'on appelle la canopée, c'est-à-dire tout en haut des arbres, là où le feuillage est le plus dense. La couleur foncée de ces lémuriens leur permet de se soustraire au regard de leurs prédateurs, notamment le fossa, ce petit mammifère marron. Comme nous les humains, les lémuriens, qui sont aussi des primates, disposent de 4 doigts plus un pouce qui leur permet de bien s'accrocher. Ce sont d'ailleurs des animaux qui s'accrochent à tout et qui viennent souvent s'accrocher à vos cheveux, mesdames, mais pas de panique, ils ne vous veulent pas de mal, même si leur approche est parfois impressionnante. Ce sont des animaux qui ne savent pas nager et qui ont peur de l'eau. Du coup, ils sont restés bloqués sur Madagascar sans avoir l'instinct de migrer vers le continent africain. On dit que ce sont des animaux qui sont endémiques de cette île, c'est-à-dire qu'ils vivent que sur Madagascar et nulle part ailleurs, comme 95% des végétaux et des animaux à Madagascar. À Madagascar, donc, il y a 110 espèces de lémuriens. Et sur les 110 espèces, le parc en comporte deux, les makikata en noir et blanc comme à l'époque, et les varirous en marron. Végétariens, les lémuriens se nourrissent essentiellement de morceaux de carottes, de bananes et de pommes dont ils raffolent. Une petite expérience qui peut écœurer certains, mais qui est révélatrice, est de s'intéresser à la composition de leurs excréments, car les lémuriens ne transforment pas les aliments lors de leur digestion. Ainsi, on retrouve dans leurs déchets organiques l'aliment quasiment intact, ou du moins identifiable.
Au sein de chaque communauté de lémuriens, qui compte environ 20 à 30 individus, on peut observer une vraie hiérarchie avec des privilégiés qui mangent en premier et d'autres qui devront se contenter des restes. Ces derniers le savent d'ailleurs très bien puisqu'ils se placent en retrait pendant que les VIP se font un festin, même si parfois certains osent déroger à la règle. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me soutenir juste en dessous de la vidéo. Pour ça, c'est très simple, deux clics, un pour s'abonner, l'autre pour liker. Ces deux clics me permettent d'avoir plus d'opportunités pour continuer à promouvoir le patrimoine et la culture française. Voilà, j'espère que vous avez pris plaisir à regarder ces animaux. Nous, on se retrouve bien évidemment prochainement sur la chaîne pour de nouveaux reportages toujours plus captivants et passionnants. A bientôt sur Reportage TV, la chaîne de savoir et de la découverte. Ciao !